Président PIA et son éminence, et Jovenel Moïse, lui-même, lui fait appel à l'international là, et pour capable venir bailler un coup de main à phénomène insécurité, à phénomène kidnapping, et cap valer terrain et dans pays. Et même genre, ensemble avec l'année 2004, et nous sommes capables de voir qui sont phénomène insécurité à lui-même l'été dans le pays et c'est eux-mêmes qui te viennent bailler un coup de pouce. Jovenel Moïse, li, déjà, et d'après information que lui-même lui fait bailler, que nous allons présenter nous là, lui fait mobiliser appareil l'État pour capable couper les bandits. Au moins, évidemment, pour nous capables de suivre ensemble avec nous, et président pays et son Excellence Jovenel Moïse. Les mêmes qui t'a parlé comme ça. Je veux dire, profiter pour me dire chaque monde, dans le niveau qui concerne par problème d'insécurité, particulièrement la police nationale, qui est là pour protéger et servir. Pour que je dis, l'ordre qui a maintenant des ordres. Je parle avec l'autre entité dans l'État, ministère de justice, ministère intérieur, secrétaire d'État sécurité publique, commissaire gouvernement sous 18 juridictions pays, spécialement commissaire gouvernement Port-au-Prince, commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets, cap gardem la, cap tendem. Faut toute machine l'État les vienne au service peuple là. Parce que moun yo, ça qui a passé à là, ce n'est pas ça que vous demandez. Et je profite l'occasion pour me dire, membre CNDDL, que rôle que vous avez c'était pour encourager les armements et encourager réinsertion. Je profite de parler avec Zanmi dans la communauté internationale. Je parle avec Zanmi dans la communauté internationale. Qui, dans l'époque, a eu le même problème dans le pays. Je voulais parler, par exemple, l'époque 2004. Je connais qui coûte mec te bail au niveau de la commission des armements. Je profite de l'occasion pour me dire, n'a pas le même coup de message. Qui pour permettre que nous-mêmes, rôle nous l'État, c'est empêcher bandits par le peuple à problème. Mais, il ne faut pas oublier, bandits qui ont une volonté, les gens qui ont des âmes dans le monde, qui décident pour remettre l'IA, vous comprenez ça? Son troisième route que nous créons pour. Parce que, pas oublier, nous disons, les gens qui ont des âmes dans le monde, il y a deux routes. Une qui est les prisons, l'autre dans les cimetières. Mais, une troisième route que nous créons pour, c'est ça, route qui est les réinsertions sociales. Ça veut dire, si vous décidez de remettre des âmes dans le monde, Commission nationale des armements et de réinsertion là. Et l'ILA pour le venir travailler avec vous, pour prendre les armes dans le monde, pour sortir de la favelle là. Parce que moi-même, je dis aujourd'hui, mission, chaque monde qui a un job l'État dans le monde, c'est servir le peuple là. Ou même qui décide pour nuire la population. Jean nous ça, il recommence. Moi-même, je dis, après nous sommes dans le pays là. Nous sommes dans pile parole parler. Mais nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous avons travaillé pour nous dire qui est venu après parole sur le parler. Mais c'est un coup, les affaires kidnapping sont venues dans son papa tout d'un coup. Ça a été 3 semaines depuis son seul parole qui a parlé dans le pays. Moi, je voulais que la parole, ça, que la police, avec la justice, joue au lieu, il y a touché. Il y a tout privilège que l'État a eu. Je voulais parler de gros monde qui travaille. Avec dit, je parle exactement avec le ministre de Justice, secrétaire d'État Sécurité publique, directeur général de police, parce qu'on n'a pas qu'à parler dans la langue de bois encore. Il faut parler la clé. Le monde qui a un recommandement de police, c'est pour nous tous, c'est pour être nous. Bandit pas qu'à une force parce que l'État. Ça ne va jamais arriver dans quel pays sous la terre. Ça veut dire, je dis, c'est même gens en Haïti nous. Il faut tous ces points être nous pour que bandits nous mettent hors d'état de nuire. Ça veut dire que bandits comprennent qu'on a fait résistance avec l'État. Et j'aime dire nous sommes dans l'avion, bandits. Et tout petit. Il n'est pas gros. Ça veut dire depuis ces routes sont choisies pour faire. Je dis, j'aime dire que nous créons une troisième route, j'aime dire. C'est la Commission nationale de désarmement. Moi, je ne peux pas les prendre. Troisième route là pour sortir. C'est dans deux lotes, si vous bien prison ou bien cimetière. Parce que nous pas d'accord
et nous pas quitter le continuer comme ça parce que c'est wall. Président, il y a des gens qui même estimé que le carnaval n'a pas dû être fait année ça à cause de pénurie. Qui nécessite qu'il gagne pour le carnaval la fête année ça? Bon, encore fois, je dis que moi-même, nous connaissons tout le monde qui a regardé là, moi je suis agriculteur. Ça veut dire que dans l'époque du carnaval la fête là, nous sommes capables de dire que nous allons entrer dans la campagne printemps. Ça veut dire que nous devons moi-même, c'est dans le jardin pour me planter. Mais je vous dis à M. le président pays, ça veut dire M. le président tout haïtien. M. le président Bosch Chapantio, M. le président Timachanio, M. le président Atis Pentio, M. le président Moun qui est propriétaire Bon Madi Grayo, M. le président Moun qui est Jazio, M. le président Bosch électricien. Ça veut dire Moun Sayo, le grand carnaval qui a fait, il y a pile Moun qui parle. Et je vous dis à ma profiter du peuple haïtien. Le un carnaval a fait, moun kap danse yo, c'est pas bénéficiaire, c'est consommateur. Parce que le yon vin dans carnaval la pour acheter. Si machan yo, qui pral vann sou pa kou carnaval la, yo pral vann pour faire quoi pour occuper famille, pour occuper petit yo. Boss chapant kap travail pour monter stang, yap travail pour occuper petit yo. Boss peint kap travail dans stang yo. Il y a travail pour occuper madame mieux, pour occuper femme mieux, pour occuper petite mieux. Ça veut dire qui ça? Lorsqu'on a l'argent que l'État a débloqué, gens tout le monde fait comprendre non? Dans les affaires carnaval, c'est pour l'argent qui est débloqué pour faire, pour prendre plaisir. C'est des copes qui sont débloqués d'ailleurs, ce n'est pas moi-même comme président aujourd'hui, qui a à peine, une fin qui a 3 ans président, 3 ans et quelques jours, qui vient à carnaval. Tout le monde connaît depuis qu'il l'heure que le pays a un carnaval là-dedans. Ça veut dire que son tradition, que pile le monde qui a dit que le moment. Il n'est pas opportun, mais même m'a dit le rôle par nous, c'est permettre l'argent circuler dans le pays. Je dis, dans le contexte que nous avons, il faut être clair pour nous dire que le pays a un pile problème, certes, un pile problème économique, un problème de sécurité, mais problème économique, l'argent qu'on va dépenser dans le carnaval, là, il va permettre un soulagement, un pile couche dans le pays qui a un soulagement. Je profite pour me dire, petit machin, pour me voir une nouvelle là-bas. Même j'en noté ouais semaine qui se passe là moi t'ai fait dans palais national on cohorte de 2026 on a femme ça veut dire 2026 femmes t'ai joué nos petites choses pour prêter pour te remettre comme là à 1% par mois on profite de nous petit machin nous que dit à tes plates là on connaît n'a demandé longtemps semaine prochaine moi connais que bon lancement 2000 crédits à tes plates surtout monde qui connait le prend pont ya. Si machin qui on a le vendre petit produit dans carnaval là surtout yo qu'on a le prend pont par exemple moun nan qu'on prend 2000 gouttes pour 2400 gouttes ça veut dire comprendre si carnaval l'a fait dimanche lundi mardi moun nan prêté par exemple dans mercredi 2000 gouttes l'heure pour aller remettre le mercredi prochain faut le remettre 2400 gouttes jodi am tout dit yo que n'a pas cohorte de 2000 machin à tête pour un crédit à tête plate là et nous voulons pour le fait en vent carnaval là qui pour permettre qu'on joigne un petit chose prêté à un taux d'intérêt de 1% par mois ça veut dire 12% là ou rien doit décider tout ou fin prêter comme là dans mercredi et puis après carnaval ou une belle laisse pas même payer 1% non on paye 0,25 parce que j'ai 8 jours là pour à peine ça dit c'est pour me dire que comment elle dit 0,25 c'est dans son cob ou pas rien comme intérêt pour le payer jour. Décision ça nous prend c'est justement pour nous montrer moun qui yo même dit a créé une sorte de division dans affaire carnaval est-ce qu'il faut gagne carnaval ou pas carnaval c'est son tradition que lié c'est même genre avec fête Noël vous comprenez il y a des moun qui dit ou pas qu'à renvoyer fête Noël c'est même genre tout pas qu'à renvoyer carnaval même genre année passée t'es grand pile tête chargeant pile des autres qui t'es gagné dans Port-au-Prince problème pays loc qui t'empêche le carnaval la fête dans certaines zones, dans Port-au-Prince. Mais il y a certaines zones qui étaient faites. Mais à travers tout le pays, il y a un carnaval. Année ça, moun Port-au-Prince, il y a c'est pas tout le monde qui dit qu'il n'y a pas de carnaval, qui demande le carnaval là. D'ailleurs, moun qui va bénéficier de carnaval là, il y a même, il clair, c'est un carnaval. Et m'a profité par là avec eux. Ou même artiste qui a regardé là, boss peint, boss chapante là, si machin qui a regardé là. Nous-mêmes qui sommes propriétaires, ça veut dire qu'il y a une compagnie qui a construit ce stand. Il faut faire un devoir. Il faut dire tout carnaval là,
cob que nous allons toucher à cob ça son cob qui va le servir nous parce que en société il fait de tout le monde même Jean Martin là c'est dans l'hôpital moi j'ai affaire à des médecins moi j'ai affaire à des entrepreneurs des administrateurs mais moun qui dans carnaval yo tout qui concerne yo tout yo même haïtien ça dit aujourd'hui on vient prendre décision pour président dit ou pas faire carnaval et bon chapeau de ça ça pas avec et moun qui gagne bonne mardi gras et toute partisan toute gros bonne qui gagne dans pour prendre soit pas avec boss peinture soit pas avec maître jazz soit pas avec si machine soit pas avec moi mon rôle moi monsieur président tout haïtien me la regarder nous tout que haïtien qui pour moi que ça pas pour moi seul ça qui intéresse moi veux un pays meilleur pour nous tous. Et pour le fait, il faut nous créer du travail, il faut nous créer espoir dans le pays. Carnaval, là, je vous dis, c'est une activité qui permet aux gens qui sont faibles de faire un petit cob. Et c'est pour ça, je vous dis, une décision, le Premier ministre, qui est ministre culture à la fois, il prend une décision pour faire carnaval long, carnaval décentralisé. Ça veut dire presque toute région dans le pays après le bien carnaval, je vous dis. Carnaval au Cap, carnaval Jacmel, carnaval au Caï, carnaval Gonaïve, a bien carnaval dans toute grosse ville dans le pays, carnaval dans Nord-Est, tout côté a bien carnaval, ça veut dire nous font forme de carnaval en ça décentralisé et qui pas coûter trop puis cher tout même. Ça veut dire mais son gestion rationnelle qui au fait de l'argent qui était qu'on dépenser dans carnaval là qui fait que je dis pas rien carnaval dans tout pays. Mandé nous pour qu'on calme nous, qu'on ait sérénité nous. Personne. Moi dis personne. Pas de droit ni autorité pour faire peuple la peur. Même j'en moi-même, moi, dis le président, tout haïtien, un monde qui décide tout, pour rien doit gagner opinion politique, pas ou, mais opinion politique, ou pas de droit là pour nuire l'autre monde. Pour rien doit gagner opinion idéologique, ou pas de droit pour nuire l'autre monde. Il est là pour nous capables d'accompagner tout le monde pour le bien, pour le bonheur de tous les haïtiens. Merci beaucoup. Je dis, on profite pour me dire chaque monde, non niveau pas qui concerné par problème insécurité, particulièrement la police nationale, qui là pour protéger et servir, pour que je dis l'ordre qu'a maintenant des ordres. Parler avec l'autre entité dans l'État, ministère justice, ministère intérieur, secrétaire d'État sécurité publique. Commissaire gouvernement sous 18 juridictions pays, spécialement commissaire gouvernement Port-au-Prince, commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets, cap gardem la cap tendem. Faut toute machine l'État les vienne au service peuple là, parce que moun yo ça cap passé à là c'est pas ça que vous mandé. Et me profite occasion pour me dire membre CNDDL que rôle que vous gagnez c'était pour encourager désarmement et encourager réinsertion. Je profite de parler avec les amis dans la communauté internationale. Qui, dans l'époque, a eu le même problème dans le pays. Je voulais parler, par exemple, l'époque 2004. Je connais qui coûte mec te bail au niveau de la commission des armements. Je profite de l'occasion pour me dire, nous avons le même coup de mec. Qui pour permettre que nous-mêmes, rôle nous l'État, c'est empêcher les bandits par le peuple à problème. Mais, il ne faut pas oublier. Bandit qui a une volonté, moun qui a un zam nan moun, qui décide pour remettre l'IA, ou comme ça, son troisième route que nous créons pour. Parce que pas oublier, nous doulons, moun qui a un zam nan moun, il y a deux routes. Yon qui a les prisons, l'autre dans les cimetières. Mais une troisième route que nous créons pour, c'est ça, route qui a les réinsertions sociales là. Ça veut dire, si vous décidez de remettre zam nan, Commission nationale des armements et de réinsertion là, et l'IA pour le venir travailler avec vous, pour prendre un amour pour sortir de favela là. Parce que moi-même, je dis aujourd'hui, mission, chaque monde qui a un job l'État dans le monde, c'est servir le peuple. Ou même, qui décide pour nuire la population. J'en nous ça, les recommencer. Moi-même, je dis, après nous sommes dans le pays, nous sommes dans un pile parole parler. Ricardo Florido, coordonnateur général, une branche non pas complice.
dénoncé ancien camarade bataille yo qui dit yo mettait le déon nan estricti si là d'après Ricardo Fleuridor. Monsieur Sayo pas gain pièce qualité pour prendre décision si là il fait connait c'est simplement mioteyé dans estrictien Petro Challenger a qui fait connait li gain papier légal pour estricti non pas complice là et puis la porter plainte contre tout groupe cap utiliser logo ak non groupe là n'a côté Ricardo Fleuridor. On porter plainte contre tout monde cap utiliser logo nous cap utiliser marque nous cap utiliser non nous pour parler avec soit la presse pour rencontrer d'autres monde justement pour classer le dossier ça. Donc, parce... on va mettre plein de pour contre l'autre groupe. Voilà. L'autre groupe, il est réoccupé. Voilà. Comment? Parce que c'est ça nous sommes capables de faire, parce que nous prenons la justice, c'est ça nous sommes capables de faire pour le moment. Et ça, c'est une grosse machination. D'ailleurs, les médias sont capables de suivre ça, monsieur, ça a été un document dans là. Mes amis, la presse en général qui là. Comment on concevoir deux petits jeunes qui font cap vin là? Deux, trois personnes, madame, qui ont un visa, qui ont résidence, il y a avec ambassadeur chaque jour, il y a avec une européenne chaque jour. Ou ba yo des documents pour venir lire pour abjurer des congressmen. Pendant ce temps, madame, moi, petit tout, ou pas jamais prendre pour venir mettre sur table conférence pour abjurer mon administration américaine corrompue, raciste, c'est là. Ou pas jamais faire ça. Faut faire ça, c'est parce qu'on joue sous vulnérabilité de ces jeunes. Je pense que ça, son crime nié. Bon, ça, monsieur, ça va dire de nous, ça ne fait rien. Mais ça, yo fait, vous abjurer de mon administration américaine. Pendant ce temps, 5 ans, 10 ans, vous voulez aller à l'école, sinon vous voulez voyager, vous voulez aller à la famille, vous voulez aller à l'école, vous voulez aller à l'ambassade, vous voulez compte. Avenir. Pendant ce temps, moun kap voye yo, moun nan ambassade chaque jour, avec Madame Simpson chaque jour, avec USAID chaque jour, et puis la détruit carrière jeune sa yo. Parce que c'est pas normal ça. Faut que nous bon société pour la loi. Et comment? Pour la loi triompher, pour permettre que les gens de dérive ça ou pas produit encore dans la société. Nous sommes du bon mandat, non, mais l'officier de dit que nous sommes en enquête, donc vous pas gagner droit, on n'a pas le droit. Avec qui dit que je dis ça? Qui dit, monsieur Sayo dit nous gagnons enquête là. Monsieur Sayo dit que yo c'est membre porte-parole, nous pas complice. Qui est-ce qui va nous battre pour là? Nous gagnons, on chatte. Chatte l'a dit, mais qui est-ce qui gère le dossier et réseaux sociaux? Mais qui est-ce? Alors, mais ça, on est chita. Le fait que vous avez des gens qui ont invité la presse, vous avez dit que nous pas complice, je pense qu'il faut demander qui chatte et qui statut légal. Parce que le ministère des Affaires sociales, le ministère de planification qui gère le dossier et l'organisation. Est-ce que nous, comme chita, on a recevoir des groupes de gens qui disent que vous faites partie de vous? Nous pas complices sans nous pas présenter nous rien et puis yo gen mayo yo gen que de nous pas besoin dire de monsieur Sayo nous pas le dire parce que nous sommes génération nous pas le dire de bagaille sur jeune génération on seul bagaille il y a des journalistes qui témoin yo fait 1 an yo pas jamais connu monsieur Sayo sous table ensemble avec nous même jour yo fait 1 an yo pas jamais connu monsieur Sayo te gon responsabilité dans mitan nous jeune jodi a y a vendre yo comme porte-parole parce que yo besoin pour détruire nous mission allô. Bon, nous on peut parler parce que nous même pas là parce que Jonathan Renoir qui c'est notre parole outil là et Jonathan Renoir tout pense faut nous parler avec lui parce que monsieur ça c'est un monde qui demande pour aller parler le fait que Jonathan dit parler depuis plus que 5 6 mois il dit que il tombe à fond outil là même pense que dans semaine dans qu'a venir là nous supposé finir dossier ça lundi pour nous mettre dossier ça dans la justice et dossier à la continue. Porte-parole, nous pas complice, Jonathan Renoir, fait qu'on est rencontré dans la commission affaires étrangères dans le congrès américain avec le département d'État, t'es déroulé sous dossier pétro-caribéen. Jonathan Renoir dit tout, il t'a expliqué, congressman, yo, gen yon colère réel qui pas visé démission yon président seulement, mais c'est chambadé tout système politique actuel là. N'a pas côté Jonathan Renoir. Concernant le voyage, nous sommes faits dans la commission affaires étrangères dans le congrès américain. Avec présence nous dans le département d'État, c'était une rencontre qui était déroulée sous le dossier Petro-Caribéa. Ensemble, mouvement revendicatif qui sont faits dans le pays depuis plus qu'un an. Nous, où est la relation pays d'Haïti avec le pays États-Unis? Eh bien, que ce soit devant la commission affaires étrangères, que ce soit devant le responsable congressman d'État américain, nous t'ai expliqué effectivement, il y a un colère populaire réel qui pas seulement visé aller au président, mais qui visait pour nous couper un système. Un système qui produit inégalité, impunité, injustice sociale. Et mouvement ça, véritable déclencheur, c'est le dossier Petro-Caribéa. Et nous t'ai dit, il faut qu'il y ait un bon jambesi qui prend tout en Haïti, coule l'autre bord de l'eau, pour tracer l'argent. Taxe nous, peuple haïtien, pour tracer l'agent Petro-Caribéa, calcéré
dans l'autre pays, qu'elle dépense dans l'autre pays. Nous t'ai expliqué tout qui nécessité pour continuer tendre l'autre organisation jeune qui émergeait en bataille ça. Une façon pour plus bien comprendre sans revendication population. Ça qu'a demandé changement dans système pesé sous ça. Ça que peuple haïtien veut et j'étais bien loin déjà. Oui, nous pour procès Petro Caribé, non à toute dérive. Vive Haïti, nous pas complices. Ordre d'avocat Port-au-Prince organisé journée jeudi à cérémonie passation bâton entre bâtonnier sortant Stanley Gaston avec un nouveau bâtonnier Montferrier Dorval dans Pétionville. Dans cadre cérémonie ça, maître Dorval présenté grand ligne programme ligne qui chita sous renforcement administration baroa, renforcement coopération internationale là, augmentation formation avocat et puis garantie indépendance baroa pour ne citer ça seulement. Docteur en droit constitutionnel là, t'es profité occasion pour remercier bâtonnier sortant maître Gaston pour travail il réalisé dans ça qui gain pour avec renforcement image baroa à Montferrier d'Orval. Le retour aux usages, traditions et valeurs de la profession est plus que nécessaire. Comme il ressort dans le programme qui sera exécuté, comme je dis, c'est le socle de mes actions, bien sûr qu'il n'est pas figé. J'entends sécuriser la profession d'avocat, contrôler l'exercice de la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, défendre les droits et intérêts des avocats et des avocates. Renforcer la formation professionnelle initiale et continue. Contribuer à l'augmentation du niveau de formation universitaire des avocats. Il y a besoin de formation, pas seulement des avocats, de beaucoup de gens. L'université d'État...